J'hyperventile, j'hyperventile. On est tous stressés aujourd'hui. Bah ça s'est vu là, je pense. Laissez-moi vous résumer le concept de cette vidéo. Tu préfères. Le titre est rarement écrit dans le fond du décor, aujourd'hui c'est le cas. C'est un « tu préfères » version extrême, version dilemme, version je ne sais pas choisir. Juste derrière cette porte, il y a un premier sas, un sas blanc. Sur l'écran qu'il y a devant nous, un prénom va s'afficher. Ce sera peut-être Yvan, Étienne, Thomas ou moi. Cette personne va dans la salle blanche. Là, le choix va s'afficher, on va pouvoir en débattre. Dans la salle d'après, ce sera la salle du vote finalement. Ce sera la salle dans laquelle la personne va aller pour faire le choix. Et ce choix n'appartient qu'à elle. Mais elle devra ramener son choix ici afin qu'on l'insulte. C'est bon pour tout le monde. C'est spaghetti ou penne rigatoni? Non, justement, non. Non. C'est trop précis en fait. Ah ouais. Par exemple, moi je choisirais spaghetti parce que l'autre, je connais pas. Mais l'avantage, c'est que c'est pas Yvan qui a écrit le choix, donc on est bon. Oui. Voilà. On a besoin de quoi? D'une sponsor? Bah oui, ça, là, il n'y a pas de choix à faire quoi. Il y en a qu'un seul sur le marché, c'est le meilleur. C'est vrai. Ah, c'est faux, j'en ai vu. Non. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. On vous propose donc une petite voix off NordVPN, le seul et l'unique. Et là, je lui dis, mais comment fais-tu pour vivre sans NordVPN? Mais non, elle a pas NordVPN. Mais non, je te dis, là par exemple, elle est en vacances en Italie, elle veut accéder à ChatGPT, elle peut pas, c'est bloqué là-bas. Ah bah ouais, elle avait juste à se connecter à un serveur en France et c'était réglé. Pareil pour regarder Koh-Lanta, The Voice ou Pékin Express en replay. Si t'es à l'étranger, t'as pas accès au site, même en Belgique, c'est bloqué. Mais je me tue à lui dire, hein. 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans satisfait ou remboursé pendant 30 jours, à un moment donné... Philippe, je peux te dire un truc? Oui, vas-y. Quand tu parles, j'ai vraiment l'impression que tu es sponsorisé et que tu veux me vendre un truc. Moi? Ah non. Si j'étais comme ça, je te dirais qu'il faut télécharger NordVPN, qu'il faut scanner ce QR code qui s'affiche à l'écran pour tous les gens qui regardent cette vidéo sur Smart TV, parce qu'on vous voit. Grâce à NordVPN, vous avez le choix, un peu comme dans la vidéo qui va suivre. Et t'es bizarre, Sylvie. Merci NordVPN, ça soutient cette chaîne si vous vous abonnez à NordVPN. Premier lien dans la description, regardez comme il est heureux. Messieurs, dames? Oui. Premier choix. Allez. Ah. Allez, alors, Thomas. Je pense que j'ouvre le bal. Thomas, alors vas-y. Ah, il se déplace uniquement en jambes croisées. Alors, pas de... Oh, bah tiens. Ah, attends, faut pas qu'on dise. Non, là, il sait pas, lui. Je rappelle qu'il y a 100 choix que c'est... Bonjour, Thomas. Salut. Alors, Thomas, tu vas rentrer dans une villa avec d'autres gens. Le but, c'est que tu gardes ton secret le plus longtemps possible. Ça va être dur, Thomas. Bah, de toute façon, tu les connais, c'est ton père et ta mère. Tu peux y aller. C'est joli, hein. C'est très beau. Ah là là. Ça commence sur les chapeaux de roue. Thomas, plus que 99. Bah le truc c'est que c'est pas du tout dur pour moi comme choix. Il y en a un qui me donne des gaz alors j'évite. Allez, on se retrouve là-bas dans le sas, on va pas faire long là-dessus. Allez, fais ton choix. Il y a le bras qui a tendu vers Carbon. Peut-être que je vous ai feinté. Voilà. Carbonara. Carbonara, bien bah sûr. Bah oui, évidemment, on est tous d'accord. Pour son côté bah oui. Délicat, voilà. Bon, moi, j'ai pas envie d'argumenter de toute façon, c'est tout. Bah regarde ce qui est écrit là. Passez vite au deuxième choix. Hop. Ouais. Oh là là, c'est déjà trop long, j'en ai Maxime. Marre. Allez, Max. On n'a pas dit, c'est crescendo. Ça ah commence oui. Pas de bolo, ça finit, une rime en haut. Ah ouais, putain. Sodo. Allez, ciao. Ah. Ah oui, bon. Bon, c'est facile. En vrai, je sais pas, non. Ah oui, non, c'est pas facile, ça dépend de la durée du... Exactement. Bah oui, c'est ça. C'est juste que l'aller-retour, ça prend genre 2 ans ou un truc comme ouais. Ça, ou 1 an et demi, et du coup, pour ce gamin... Allez, vas-y, tu peux y aller. Oh, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Ça y est, j'ai compris le jeu, j'aime bien. Alors, Maxime, aller sur Mars ou aller sur la Lune? En blablacar, Maxime. Long. Puis si tu tombes sur des gens qui sentent pas bon sous les aisselles, c'est long. Vous aimez la pêche, vous? Oh merde, on est à kilomètre 1. Mon choix est fait. Ok, merci, Maxime. J'ai fait la première écho, il va très bien. Bah, justement, on se dit qu'il y a un rapport avec tes gosses sur ce choix. Si c'est rouge, t'es un père indigne. Ah, il va ah, me... Allez, retourner. Enlève ton pull, là, allez. C'est complètement vrai, putain, tu m'as... Putain, fort. Il y a un billet retour avec ça. La Lune, on sait faire, hein. La Lune, c'est la ligne B. Mars, bon, il y a un bus avec marqué peut-être. Ça va, t'es pas compliqué, en fait, toi. Non, moi, je suis sûr. Tu veux juste aller sur la Lune, en fait. Mais tu sais, ça, c'est cette carrière qui m'a appris ça. Depuis 10 ans, à être super connu, super marrant, il y a une humilité qui est restée, quoi. Suivant. Yvan, à toi d'affronter tes pires dilemmes. Oh les bâtards. C'est deux trucs que t'aimes pas globalement. Oui. Ah c'est bien pour Yvan ça. Allez vas-y. Oh bah c'est sympa. Je dois débattre là du coup? Non, tu dois les mettre dans des pâtes, les manger et dire laquelle est le meilleur. D'accord. C'est une bonne question. Non franchement c'est pas une bonne question, on peut pas dire ça globalement. Je prends celui-là. Oh.
Je me fais observer. Ok, pourquoi ? Bah, je sais pas, avoir un psychopathe qui me suit. Oui, dans le fait de suivre, il y a quand même une démarche de il veut te faire quelque chose, le gars. Bah ouais, c'est un truc oppressant, quoi. Ouais, de toute façon, on se fait tous observer grâce à Google. Y va. Étienne, comment ça va ? Oh, Diac, ça veut dire quoi, la lumière rouge ? La lumière rouge ? Tu fais bien de poser la question. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a une action à faire et tu dois le faire quoi qu'il arrive. Tu préfères conduire une Lamborghini ou conduire une Ferrari ? Oh là là, c'est dur, hein. Je sens qu'on va pas le revoir. Hein. Je pense que je vais prendre cher. Bah après, tout dépend. Soit il rentre dedans, soit il... Non, mais t'es trop perfectionniste, des fois. 5, c'est beaucoup, faut les trouver. Thomas, ton acuité visuelle est contestable. Tu as une tache sur ton pantalon, tu devrais le laver. Allez, vas-y, champion. Étienne, wow, mais... j'adore ta veste, hein, franchement, elle bon choix. Vraiment, elle est vraiment bien. Super beau choix, ta veste. Oh, je déteste faire ça. Allez, t'as choisi ou t'as pas choisi? Et tu veux que je choisisse entre la peste et le choléra, il y en a pas un pour attraper l'autre. Eh bah, sympa, bah, ça commence bien. Eh bah, plus que 4, hein. On n'avait pas une carte joker, normalement? Ah, on a une carte joker. Faut le dire, ça. On a une carte joker, Étienne. J'ai fait mon choix. Oh, la prod, vous êtes chaud, on n'est même pas à 10. Oh, c'est... si c'est crescendo, c'est terrible ce qui va se passer. Ça m'a trigger de ouf, je choisis ma carte joker. Oh là là, ouais. Plus que 90 soins où tu vas en chier. T'as aucun courage, premier défaut. Non, on a plus que 5 sur toi, j'en ai trouvé 17. J'y arriverai même pas, même pour rigoler, j'y arrive pas. Choix suivant. Thomas s'apprête à faire un choix compliqué. C'est quoi, c'est... Qu'est-ce qu'il dit les deux en même temps, lui? C'est vraiment un gars qui a envie d'être dans son canapé et qu'on le fasse pas chier. Et c'est vraiment un gars qui rajoute une tournée dans toute la France en plus des vidéos et d'autres trucs. C'est vrai. Tu peux y aller? C'est compliqué. Ah oui. C'est à vous que j'ai dit ça il y a pas longtemps, j'ai résumé ma personnalité en disant que j'étais quelqu'un d'hyperactif mais le cul sur un canapé. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Ok. Ce zoom qui vraiment fait le choix de sa vie. C'est pas un choix post-bac, détends-toi. Mais c'est horrible en vrai là pour moi, je sais pas t'expliquer pourquoi. Bah je comprends parce que pour moi t'es exactement les deux en même temps. Bon allez c'est bon j'ai. Clairement moi j'adore être dans un canapé et regarder le meilleur film, la meilleure série du monde. Mais en vrai le meilleur film du monde, j'adorerais le faire. Oh okay. Oui. C'est ce qu'on appelle un créatif à moitié feignant, à moitié ambitieux. Prout, prout. C'est dur hein. On se prend au jeu hein. Ah bah tiens. Maxime. Et fais le bon choix. J'arrête ma chaîne YouTube. T'as fait un choix très rapide là. Bah oui mais mon suite il est coincé dans la... Ah c'est ça. Ah merde. Ah, ouais. Ok je continue un petit peu. Elle est trop bien celle-là. Il préfère à gauche je pense. Ah ouais. Genre pour moi le mariage c'est un moment ultra intime. Contrairement à nous il y a un des deux trucs qu'il a fait. On vous laisse deviner ouais, lequel. Il ouais. Y en a un des deux qui l'a fait. Ah ouais. Maxime. Allez, vas-y, vas-y champion. C'est glauque là non? Tiens voir. Ah non, mais mon choix est fait. Ah ouais, direct. À tout de suite, Maxime. Non, mais là, c'est clair, c'est fait. Hey, vous voulez la preuve, vous voulez pas faire des choix durs, non? Personne à mon mariage, vous savez combien ça coûte, le traiteur? Vous savez combien m'a coûté ma journée de mariage? Une journée, jamais dépensé autant d'argent. C'est fou, vous savez combien ça coûte un hélico avec des feux d'artifice? N'importe quoi. Allez, suivant, non mais oh. Yvan va affronter le pire dilemme. Ok, ok. Franchement, je choisirais la rouge, tu vois, c'est ça qui est triste dans ma vie. Vous avez pas mis avoir un gros cul comme un Mixem en troisième choix. C'est dommage quand même. Putain, je donnerais tellement d'argent moi pour refaire ça. Des fois, je fais le rêve. C'est fou, c'est fou, ça te va si bien, bordel. Ouais, mais j'adorerais remettre la main dans mes cheveux. Fais dans ta barbe ou l'enlever dans tes poils de couilles. Pas si mal. Allez, vas-y. Vas-y. Être moustachu comme Étienne ou être chauve comme Thomas, flemme de ouf. Ouais, c'est bon, j'ai fait mon choix. La prod, ils sont chauds, parce que nous, ça coupe au moment où il a fait son choix, on peut pas voir après. Ah. Mais ça te va bien, en vrai, mec. Non, j'avoue, flemme de ouf, j'ai pas envie d'avoir la moustache, mais j'ai pas le choix. Chier mon prénom. Non. J'y vais. Étienne. C'est horrible en vrai ce que vous lui dites de choisir là. On peut avoir la somme de gains au loto parce que si c'est pour gagner 10 millions, la flemme. On a tous un livret A hein. Tu peux y aller Étienne. Je vais prendre le grand amour parce que gagner au loto, je sais même pas combien c'est donc. Ouais, c'est ça. Eh, hey, pense pas à ta réputation, pense à la thune. La Fédération Française des Jeux aussi, regarde, elle va être déçue. Eux aussi, ils ont un petit cœur qui bat. Allez, c'est à Thomas. Drôle. Moi je dirais qu'il préfère refaire une vidéo survie parce que c'est bon pour le contenu. Content first, ouais. Comme on dit. Vas-y, rentre.
Bah j'ai pas trop fait de vidéo survie moi, non? Je sais plus. Ah oui, c'est vrai. Non mais t'as fait la vidéo sur l'île qui est un mix des deux finalement. Bah du coup j'ai fait mon choix. Ok. Franchement, vidéo construction, il en chie. Ouais. Il en peut plus. Non, mais non, non, mais non, c'est nous qui construisons, lui il décore à la fin. Ouais, enfin, c'est, dans sa tête il construit. Hein. Non, j'ai voulu faire plaisir au petit moustachu. Tu connais comme ça, je l'avais pas celui-là. Il est cool, hein? Je l'avais pas, putain, mais en chie. Comment vous faites, c'est comme ça? Oui, c'est ça. Je les ai revus et qu'est-ce qu'il y a un mood génial sur la fin. Non, en fait, le truc, c'est que quand on tourne pendant 10 heures, on est fatigué à la fin. Au début aussi. Dès le matin, j'ai pas envie de venir. Mais en fait, j'ai réfléchi à un truc sur le profil de cette équipe, tu vois. Et vraiment, en fait, on a la même passion, le voyage. C'est le même mot. Ouais. Mais derrière, il n'y a pas du tout la même chose. Ça, c'est clair. Il dort dans des yourtes et lui, il reste dans son Hilton. C'est ouf quand même. Genre, du coup, on n'a rien à se dire. Allez. Il a. Allez Maxime. Moi je sais ce qu'il va choisir. Noir? Ouais oui mais si oui bien sûr. Parce que si, évidemment. Globalement dans ce monde là tu peux avoir un iPad. Après en même temps, il voudrait bien un anneau pour les gouverner tous lui, connaissant le bonhomme. C'est vrai hein. Vas-y Maxime. La 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 la. Non, c'est Jurassic Park. Attention, on ne te voit plus. Vous savez comment je vais choisir? Je vais comparer les émotions que j'ai eues quand j'ai vu le premier Harry Potter et le premier Seigneur des Anneaux. Ah, pas mal, bien. Pas du tout la question, mais d'accord. Ok, mon choix est fait. Il est crash, ça va le dire. On a quoi l'Harry Potter dans des jeux? Tu t'es laissé avoir par le pouvoir de l'anneau. Ouais, il m'a appelé. Alors, je me suis pris une claque sur la communauté de l'anneau, qui était pas la même qu'à l'école des sorciers. Par contre, si je regarde toute la saga, je préfère Harry Potter. Mais c'est pas la question. Dans quel monde t'aimerais vivre? Il y a un monde dans lequel tu peux voler. Oh putain, on peut voler. Non, à dos de Nazgûl, on vole très bien. Mais bien sûr. Tu prends la RN41, plus fort. T'as pas choisi le choix facile en vrai, donc. C'est ça. Je voulais être un petit peu courageux. Non, mais c'est des beaux paysages. Harry Potter, t'as une vieille école toute moisie là. Oh là là, attention. Oh, doucement. Non, ils ont refait les vestibules. Allez, suivant. Étienne. Oui. Oh, c'est débile. Bah il y en a un qui est fun, l'autre qui est chiant, voilà. Aquaman ou pyromane, il y en a un, c'est un délit. C'est vrai qu'il y en a un où oh merde, je suis mouillé. Oh merde, je suis brûlé. Tu peux y aller. Pourquoi j'ai parlé comme Claude François? Hey, tu peux y aller. L'eau ou le feu? Ah. Je vous pose la question. Putain, c'est très premier degré comme choix. Ok, mon choix est fait. Oh, t'as choisi l'eau? Oh, oui. Oh, un petit chat. C'était de l'eau des chiottes dedans. Non, j'ai choisi la vie. Ah oui, oui, oui. Je l'ai vraiment vu comme ça, c'est la vie ou la mort. Objet suivant. Oh. Cette lumière rouge signifie que Thomas doit effectuer le choix qui s'imposera à lui. Thomas, bienvenue à ce cours de théâtre. Est-ce que tu peux rejouer l'indécision? Oh là là là, qu'est-ce que t'es indécis? C'est la tourmente. Ah, c'est bien. Ah, c'est pas explorateur, c'est colonialiste, c'est différent. Un petit côté raciste, oui. On lui dit pas ça, on lui dit pas. Je sais pas ce qu'il va choisir. Thomas, make your choice. Je peux les essayer? Thomas, c'est jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, réfléchis bien. Vous avez quoi comme idée, vous? Ah, bah ah, ça, on va pas influencer. Hein. Ça. C'est drôle qu'il n'y en ait pas un seul à sa tête. Ça lui va vraiment pas. Bah, il est trop petit pour ma tête. Il est un peu stylé, ça. C'est un peu le film. J'ai fait mon choix. Si ça savait ce qu'on avait dit. Oh non. Pourquoi on a dit ça? Ouais, c'est vrai. Hein. Bon, tout le reste de la vidéo, va falloir flouter un truc sur sa tête. C'est chiant. Ah mais. J'ai voulu rendre hommage aux fans de One Piece, non? C'est pas exactement la ref qu'on si, avait. Si, 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 si. On l'a dit ça aussi. On a vu les deux chapeaux et Yvan a fait une remarque très juste, je te laisse la dire. C'est les chapeaux de Claude colonialiste. Je peux pas rebondir. Après, quand tu l'as mis, premier truc que j'ai dit, je fais « Ah, oh, ça fait un peu One Piece. » Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est Luffy. Hein. Les gars, on se concentre un peu, c'est Luffy. Suivant. Yvan. Yvan. Oh, oh, oh. Campagne. Est-ce que c'est le moment où j'y vais parce qu'il y a écrit mon prénom sur l'écran? Ouais, je crois. Ok, vous êtes hyper prévisible. J'ai choisi. Oh. Et en vrai? Oh, ça marche bien. Ça. Oh. Oh. Je pensais que t'allais prendre ton joker pour le chapeau, mais tu aurais dû. Alors, j'ai choisi Disney. Ah, le bâtard. Oh, il arrive. Mon choix est fait. J'ai choisi Mario, évidemment. Il aime bien les sports auto, il est moustachu. Et il est un peu courageux, donc j'aime bien, tu vois. Les cafards, ils sont vivants ou pas? Non, mais les burgers, oui.
J'ai adoré ce tournage, mais il y avait une faute d'orthographe, non? Ah, mais là, on a un logo. Putain, ça marche trop bien en plus. Vous allez dire, il y a écrit Thomas sur l'écran, du coup, faut que j'y aille, c'est ça? Vous êtes si prévisible. Vas-y, Maxime. Ah, dérangeant. Oh non! Donc je préfère savoir comment on va me dire tu vas être mordu par une vipère en Arabie Saoudite, j'irai pas en Arabie Saoudite! Voilà! Mais c'est vrai qu'au final, les deux grands penseurs, Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre, ont posé la question: si tu devais mourir demain, toi, qu'est-ce que tu ferais? Hein? Tu vas. J'ai bien. Il y a dans la vie des choix difficiles, il y a des choix faciles. Je vais vous en donner. Etienne nous a confié que sa veste est réversible. Là, t'as choisi la face B. Ouais. On peut voir la face A? C'est fort en marketing. Vous la retournez, vous foutez une étiquette. Oh putain, c'est juste une veste à l'envers. Je la remets dans l'autre sens du bah, coup. Bah ouais, bah oui, oui. Allez, Etienne. Ah. Oh, c'est marrant. C'est ses deux copains. Ah, moi je sais. Vous savez, il aime bien le sport automobile. Évidemment, la chaîne numéro 1, c'est qui? Voilà. Oh là là, c'est bien ça, parce que ça va vexer. En plus, on arrive à se croiser régulièrement avec Vilebrequin, donc ça va être vexant. Il va y avoir des réflexions, et moi je serai là pour y assister. Ouh là là, je me délecte. J'ai un vrai truc, moi en vrai. C'est que l'autre fois, quand même, j'allais faire mon spectacle à Angers. Oui. Il y avait Sylvain qui était là, oui, 20 minutes avant le spectacle. Oui. On lui a dit, ouais, si tu veux, je t'invite, tu peux rester. Il est parti. Choisis Pierre. Allez, Etienne, vas-y. Sois fort, hein. Ah, les salauds. Ça reste la veste, le mauvais choix, hein, quoi qu'il arrive. Ça reste un choix. Hein. Ah, peste ou le choléra, encore une fois. Ah, oui, bah, oui. Et puis je sais qu'ils se vexeront pas, donc finalement, ouais, ça va. Ils sont en FaceTime avec nous. Ah, génial. Il faut juste que je choisisse. Ouais. C'est le concept de la vidéo, je sais pas si t'as... Non, mais ça peut être très bien. Je choisis quoi? Celui que j'aime bien ou celui que j'aime pas? Le plus riche. Le plus riche. Comme papa ou maman, il n'y a pas d'intitulé. Ok, mon choix est fait. J'aurais pas aimé, moi. Si j'étais l'autre, je serais carrément déçu. Moi, je pense qu'il va prendre Sylvain. Ouais, parce que pour le côté, je me suis battu sur la piste GP Explorer. Alors que Pierre, il a fait un accident, il était pas là. Ouais. J'ai choisi Pierre. Oh, ah, bah, j'aurais surpris. Moi, j'aurais pas cru. Pour sa douceur et sa bienveillance. Qu'est-ce qui ressemble à Edouard Philippe avant? De toute façon, Sylvain, cette année, c'est un peu mon ennemi. Lui, j'ai un peu moins peur de lui sur la piste. Pierre est très doux. Sylvain doit avoir une peau très douce aussi. Non, attention, ouais, les deux sont... On dit pas. C'est un duo incroyable. Des amours, hein. Abonnez-vous à Vilebrequin. Ah, oui. Ça va. Ah, c'est quoi? Oh la vache, ok, d'accord. Bon, je crois qu'il y a que moi qui l'a. Oh là là, si, oui, si, je l'ai. Vas-y. Je pense qu'il va prendre un des deux. Certainement. Il est capable de griller sa carte joker pour ses conneries. C'est vrai. C'est Seco Fofana et Florian Sotoka. C'est en ce moment deux gros piliers de l'équipe. J'ai fait mon choix, je vais pas faire trop long pour vous parce que je sais que ça vous intéresse pas, mais ça intéresse des gens plus que ce que vous croyez. Ce gars m'a fourni beaucoup trop d'émotions récemment. Seco Fofana, son niveau est incroyable. Ah ok. D'ailleurs, il a joué dans Inglourious Basterds aussi. C'est vrai? Ouais. Au revoir, Fofana. Je l'ai. Oh, on s'est connecté avec celle-là. J'ai mis du temps. Au revoir, Shoshana. Mais t'as fait une blague cinématographique à Thomas. C'est vrai, on est où là? Il a fallu 3 ans pour que ça arrive. Il l'a adoré, il va la ressortir ce soir. Allez, j'y vais alors. Allez, vas-y. J'y vais, vous êtes sûr? Vas-y, champion. J'y vais ou j'y vais? Allez, pas? Oui. Tu nous emmerdes. J'y vais ou je reste là? Hop, voilà. Qu'est-ce que je fais? Ah, ça c'est génial ça. Ça c'est génial, Maxime. Vas-y. Tu vas nous régaler. J'y vais. Ouais. Vas-y. Il est penaud. Oh non. Bon chance. Il fait mal celui-là. Oh non. Ah, c'est de la merde. Et il doit jouer combien de fois en fait? Tous les jours. Tous les jours. Au revoir, Fofana. Hein? Non. Ah bah si. Non. Maxime, ton piano a fondu. Oui, c'est vrai. Ok, c'est bon. Non. En vrai, putain, relou. Même toi, Thomas, ça te saoulerait de jouer au foot tous les jours. Bah, hein, j'y joue jamais, en vrai, moi. Bah ouais, voilà. Ouais. Vous pensez que j'ai choisi quoi? Je pense que t'as la flemme de faire du foot, t'as annulé le piano. De ouf. C'est vrai. Bah, en fait, il y a plein d'autres instruments dans la vie. Ouais, c'est vrai. Je viens de mettre au saxo, ça me fait délirer. Non, ciao le piano. Mais j'ai pas envie de faire du foot tous les jours, c'est une contrainte de malade. Je vais faire du clavecin. Tu vois là. De l'orgue de barbarie. C'est pratique en plus pour se déplacer. Vivant. Vivant. Oh là là, mais qu'il est souple. Tu préfères... Ah oui, il veut savoir laquelle il a préféré. Est-ce qu'il préfère regarder notre duo ou notre duo? Exactement. Ok, moi j'aime bien regarder les deux duos. Oh, c'est bon, normal, t'es dedans en fait. Là, ça va vraiment foutre un mauvais mood quoi. Je pense vraiment que là, on va se regarder nos chaussures. Yvan, tu peux y aller. T'as fait cette vidéo? C'est bon.
C'était trop rapide. Moi, je pense qu'il se dit que ça me vexera plus que toi. Mauvais mood, mauvais mood. On est tous un peu susceptibles. Je sais pas ce qu'il va faire, mais il a l'air... Il a pris le pouvoir, là. Moi, pas de mal à mon petit cœur, Yvan. Non, mais c'est même pas par rapport au gaz. C'est juste ouais, que ouais. Les bagnoles, ça va 2 minutes, mais... Ouais. T'es nul. Nul. Et puis, en plus de ça, il y a 15 millions, le con. Hein. Et j'ai eu 1 euro par vue, moi, pas vous. Après, elle a bien marché, nous aussi. Oui, attends, elle a fait au moins... Elle a bien démarré. La voiture. Allez, on y va. Allez, Thomas. Ah tiens. Bah moi c'est marrant, mais en fait Kaamelott ça ne m'a jamais fait rire. Ah ok, là je peux comprendre. En fait on est face à 2 séries d'auteurs. Les 2 séries préférées de Thomas maintenant. Allez Thomas. Alors. Bah là vous faites chier là. Ouais voilà. Bah là c'est... Ouais. Regardez-le, ce créatif, ouais, cet auteur, ce stand-upper qui est touché par les contenus qu'il a consommés dans son adolescence. J'ai fait mon choix. Ok. Si on ne devait en garder qu'une... Ça serait The Office puisqu'il a pas ramené le sabre. Bah non, il a pas ramené la... Bah j'utilise ma carte Joker. Oh non. Oh. Ça paraît idiot, hein, dit comme ça. Comment tu vas faire pour papa et maman? Bah je suis dans la merde pour plus tard, c'est sûr, mais moi c'est impossible, c'est trop de trucs qui m'ont forgé, mais genre vénère, quoi. Pour moi, c'est pour ce genre de trucs que la vie vaut la peine d'être vécue. Waouh. Non, mais je vous jure. Des fois, moi, il y a des blagues dans ces 2 trucs-là ou des idées où je les célèbre comme un bon but de foot, quoi. Alors moi, j'aurais choisi... Bon, Kaamelott parce que c'est français. Ouais, j'avais un peu pensé à ça un moment, mais le plaisir est trop... intense dans les 2 cas. Regardez The Office et Kaamelott du coup. Ah ouais, complètement. Salut les jeunes. Suivant. Envoyez Poule 92050 pour faire un don de 2 euros à l'association Enfants du Désert dont je suis le parrain. T'as raison. Poule. Pour envoyer Christelle aussi, c'est le ton de ma maman. Ça fait 5 euros. Christelle Poule. Oh, alors ça, c'est génial dans les 2 cas. Ouais, y a pas de choix, je vais dans le futur. Tiens. Puis au pire, je vais pas les voir, je fais ouais, salut. Et puis... Bah moi aussi, le seul truc qui me fait chier, c'est qu'il pourrait m'en apprendre sur ma vie et ça me fait chier. Ah, c'est toi qui es mort en te branlant. Tu peux y aller. Aller dans le passé pour rencontrer tes ancêtres ou aller dans le futur pour rencontrer tes arrière-petits-enfants. Mon choix était déjà fait, il n'a pas changé. C'est qui ce gars? Il a choisi quoi, le passé ou le turfu? J'ai choisi d'aller dans le passé. Mais non. Ah bon? Ouais, complètement. Mais non. J'ai un peu gueulé. Je suis pas trop fan de l'idée d'aller voir ce qui se passe dans mon futur. Parce que ça veut dire qu'après, quand tu pars du principe où on revient, bah tout est fade. Et en plus, c'est toujours important de savoir d'où on vient pour aller là où on veut aller. Oh là 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 là, regardez, il s'est fait tatouer ça sur le ventre. Et moi, j'ai bien aimé cette séquence. Et on passe à la suite. Ah ouais, c'était cool. Maxi, j'y vais ou... Ah oui, vas-y. Parce que là, je suis en plein dilemme, hein. Voilà, fais gaffe, tu vas faire des squats, tu vas te faire du sport, tu vas te... Ouais, tu vas vomir du nez. Qu'est-ce qu'on lui a réservé? Oh, c'est rouge. Oh, Maxi, c'est rouge. Ah, c'est rouge. Oui, c'est rouge. Oh. Oh, attends, vas-y, maintenant bouge-toi les oreilles, là. Ah, c'est bien, ça. Bonne chance, Maxime. J'y vais. Ou JD, c'est comme tu veux. Oh. Ah, putain, les enculés. Alors, c'est pas qu'il faut tourner la vidéo, hein, c'est juste qu'il faut les appeler. Hein. Ouais, ok. Mon choix est fait. Quel choix il a fait? Bah, déjà, c'est 2 personnes avec qui je suis parfaitement à l'aise. Bah oui, la prod a été méchante, mais gentille. Ouais. Je vais appeler ce qu'on appelle dans le jargon technique la bonne patte. J'ai choisi Néoxy parce que je pourrais lui proposer un truc bien pire, il dirait oui. Il est trop sympa. On va voir tout de suite. C'est 2 personnes adorables. Hein. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah ouais, ça va nickel. Je te dérange pas? Non, pas du tout, je suis en train de faire des pâtes carbonara. Donc... Ah. Excellent. J'ai une question très simple. Est-ce que tu serais disponible et chaud pour aller faire un vlog en Picardie dans 2 heures? Bah genre il est midi moins 20 là, okay. Et puis bah 13h40 quoi. On fait un vlog, on revient. Mais t'es revenu rapide, hein. On est retour ce soir à 19h-20h. ok, bah attends, c'est possible que je te dise ça dans 2 minutes? Non, par contre non. Tu peux dire non, hein. Aïe, parce que là, j'avoue que niveau timing, cet après-midi, ah non, en vrai, ça va être trop cool. Non, c'était une blague, Néoxy, je devais juste t'appeler, on fait une vidéo sans choix. Et je vais t'appeler pour te proposer un vlog, tout est faux. L'accroche est nulle, Néoxy, l'accroche est nulle, vlog en Picardie, qui clique, qui? J'entre dans la voiture, j'arrive, dans 1 heure. Non, c'était faux. Aïe. Hey, annule ça de ta tête. C'est... Il y a des promos saucissons. Une vanne. C'était soit j'appelais Grand JD, soit toi. Et j'étais sûr que t'allais me dire oui et tu m'as dit non. Voilà. Non, parce que sur le coup, je me suis dit, bon, faire un vlog, aller-retour 5 heures sur YouTube. Là, je me suis dit, il y a une petite douille, il y a quelque chose qui va pas. Effectivement. Allez, gros bisous et ouais. Bon appétit. Et ben, merci les petits potes, hein, bon tournage. Très bon choix, Carbonara. Au revoir. Ah bah, toujours. Bon, bonne patte, bon.
en pâte, mais occupé quand même. Hein. Franchement, le melon, qui refuserait ça? Tout de suite, trois plans de coupe de la Picardie. Oh. Ouais, voilà, ça va les coups. Suivant. Allez, il va au front. Allez, j'y vais. Alors, parlez toutes les langues du monde. Parlez aux animaux. Moi, je pense qu'il va choisir toutes les langues du monde. Alors que nous, trois, on aurait choisi parler aux animaux. Ah oui, large. D'un point de vue scientifique, peut-être un peu plus le monde. Non, mais attends, tu sais pas, peut-être qu'un dauphin, il arrive et fait « Moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire de particulier, j'ai rien à dire. » Mais on est full heureux, en fait. Encore une fois, c'était vraiment déter. Parler toutes les langues du monde, tu peux le faire. Ouais. Vas-y, Yvan. Parler toutes les langues du monde. Ou parler aux animaux. Mon choix est fait. Oh waouh. J'en ai rien à foutre de savoir parler le hamster. Voilà. Ah ouais. Je pense qu'il a raison, les hamsters ont rien à raconter. Mais c'est pas sûr. Comme ils ont peut-être pas la même conscience que nous, peut-être que oui, ils parlent, mais ils disent gâteau. Suivant. Thomas. Ouh, que vas-tu choisir? Ouais, je choisis, oui, c'est sûr. Ah, tu penses? Ah, non, mais c'est son seul et unique but. C'est vrai. Oui, parce qu'il a eu des hésitations à un moment dans sa vie sur le gauche. Oui, sur le gauche. Bah, quand il est rentré ici, quoi, je lui ai dit, il est con, lui. Il est là, il remplit des salles et tout, et il veut faire des vidéos sur YouTube. Wow, wow. Mais j'avoue que si un jour ce siège est vide pour une autre raison, c'est sûrement qu'il a eu un rôle. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un bon dilemme pour Thomas. Tu peux y aller, Thomas? Ah, c'est bien, c'est imagé, j'aime bien. Mon choix est fait. Allez. Il a regardé. Oui. C'est la dernière marche à franchir, bah oui. Putain. C'est la dernière marche à franchir, vous m'entendez, là? Vous m'entendez, les Cédric Clapiche? Vous m'entendez, tout le monde? Je pense que c'est bon, c'est synchro. Ça, on le découvre, on en apprend. Ah, je veux écrire, je veux jouer. Et en vrai, je tourne dans mon premier film, en juin. C'est quoi? C'est une Marc Dorcel, je l'ai vu. Ouais, non, je fais pas beaucoup de tournage, mais c'est un suivant. Petit. Tiens. Pourquoi tu me regardes avec ce regard là? Moi j'entends des chuchotements derrière, je sais pas pourquoi. Ah putain. Imagine, il y a un truc avec des gens et tout. Je sais pas. Non, vraiment, j'en sais rien. J'en étais sûr en plus. Je l'ai dit sans vraiment le savoir, mais j'entendais. Vous choisissez qui vous? Je les connais pas aussi bien les deux. Putain, c'est hardcore. Ah, c'est chaud. Le pauvre. Étienne? Oui. Bon appétit. Ça va être un grand moment, Étienne. Les enculés! Ah, les enfoirés! Ça va? Choisis bien, frérot. Sachez déjà, voilà, je bégaye. Voilà. T'as plus de joker. Voilà, j'ai plus de joker, déjà. Alors, c'est qui ces deux personnes pour toi, Étienne Junot? C'est mes deux meilleurs potes, ouais. T'es gars sûr? Ça fait partie de la vraie clique, là. Et la question que tout le monde se pose, qui reste-t-il en Deux-Sèvres? Plus personne. Sans nous, ça tient pas, c'est vrai. De toute façon, en voyant ta veste, ils ont plus envie d'être potes avec toi, maintenant. Oui, t'inquiète. Oh non, mais vous êtes horrible. Oh, je sais. Oh, j'ai fait un truc nul. Je vais choisir celui que je connais depuis longtemps. Dylan. C'est Dylan que je connais depuis longtemps. Allez, salut. Coup dur pour Kevin. Profonde dépression s'empare de lui. Ça sert à rien de remplacer par des câlins. Tu vas éteindre ton flambeau, Kevin. L'aventure s'arrête là. Bisous, les gars. Oh, putain, les cons. Tu veux un câlin? Ouais. Ah, en tout cas, ils se préfèrent entre eux plutôt que toi, hein, ça c'est sûr. J'ai trop le seum. Mais j'ai pas compris, c'était qui ton père, qui ta mère, j'ai pas capté. C'est marrant parce qu'en fait, genre, j'oublie toujours qu'ils s'appellent Kevin et Dylan. Et quand je le vois écrit l'un à côté de l'autre, je me dis, ah, putain, la vache. Et tu t'en sors bien avec Étienne, toi, n'empêche. Comme disait Nekfeu, je suis une rose qui a poussé parmi les orties. Voilà, exactement. Non, c'est... Salut les orties. Yvan, allez, c'est à toi. Vais. Eh, vous restez, Dylan? Ils se sont cassés, ouais, c'est pas tes vrais potes, hein. Tout ça, c'est du cinéma, hein. Oh. Couper tes cheveux, raser ta barbe. Ça s'est pas allumé en rouge? J'allais être rouge, j'allais être rouge. Yvan? Oui? Ça s'est allumé en rouge, tu peux y aller. Oh non. Couper tes cheveux, bah, en plus crever bien. Et raser ma barbe, j'avoue, j'ai... Il est trop poli. J'ai un peu la flemme aussi. Parce qu'en plus de ça, moi, ça pousse pas rapidement. Du coup, là, j'en ai pour 2 mois de repousse, quoi. Ouais, j'utilise mon joker. Yvan? Oui? C'était pas en rouge. C'était pas en rouge? Non. Oh, bah, ça merdé. Va, alors, on va raser la barbe, mais genre... Il y avait une caméra là, une caméra là. En fait, c'était un prank depuis le début. Regarde bien autour de toi, il y a Théo. Ah, il y a une caméra, j'avais pas vu, il y avait Théo qui avait une caméra. Bah, j'aurais rien à foutre de raser ma barbe. Mais les cheveux, genre, j'en ai pour 2 ans, donc genre... Tu sais que depuis la vidéo et tous les versions sur dans lequel t'as une chevelure, mais juste bordante. Tout le monde me dit « Non mais Yvan, quelle chevelure ?» J'en prends soin. Moi, ma routine vache, on me la demande jamais. Suivant. Maxime. Maxime. Je prends sa place. Oh, le salaud. Oh. À mon avis, il choisit... Gauche. Gauche, oh, de ouf. Ouais. Ou alors il me déçoit. Non, on se fait un peu chier, quoi. Tu crois? Non, mais c'est juste qu'il y en a un, c'est le passé, l'autre c'est le futur. Non, mais en vrai, il sera tellement déçu de parler avec Elon Musk.
Non mais Elon Musk est cinglé. Ouais. C'est à ce point-là. Ah ouais, là frérot, on s'en sait de pire en pire. Ah ouais. Oh, c'est la merde. Ah ouais. Vas-y Maxime, fais ton choix. Oh, elle est bien. Fais-nous rêver. Alors, j'ai une info qui va me faire choisir du coup. Et j'ai une anecdote de malade. Vas-y, reviens Maxime. J'ai choisi Elon Musk. C'est pas impossible. Alors Maxime ? J'ai choisi Elon Musk. Ok. Pourquoi j'ai pas choisi Buzz Aldrin ? J'ai une petite anecdote. Buzz Aldrin est un astronaute qui a fait partie de la première mission qui a fait marcher des hommes sur la Lune. Et on a la chance qu'ils soient encore vivants. Mais sachez que j'ai déjà voulu l'interviewer. Donc on l'a contacté, il nous a répondu. Et c'est payant, l'interview avec Buzz. Parce qu'à la limite, je peux comprendre. Voici les conditions de l'interview. Il fallait que j'aille aux États-Unis, devant chez lui. Il sort de sa porte d'entrée, il s'installe dans son jardin, c'est pas une blague. Hein. 2 sièges. Je l'interview pendant 15 minutes et il re-rentre chez lui. 1000 euros. Oh. Tu sais que j'ai des conditions très proches. Hein. Moi, c'est 10K, parking du Burger King d'à côté. Ok. 17 minutes, par contre, on est pas okay. Bêtes. Donc, je me dis, Elon Musk, pour lui dire, ouais. Mais qu'est-ce que tu nous branles en ce moment? Ça ouais. Va pas ouais, puis c'est vrai. Tu veux un Doliprane? Puis c'est vrai qu'un dîner avec Elon Musk, il y a moyen de bien se marrer, quand même. Donc, non, j'ai pas apprécié la négo avec Buzzou. Donc, peut-être celle avec Elon est mieux. Non, ça reste un parcours fascinant, même s'il est un peu cinglos. Oui, bah oui, c'est sûr. Choix suivant. À toi, Étienne, vas-y. Alors. C'est le téléphone à qui, ça? Il est pas abonné. Bravo, Étienne! Papa la pa! Allez, je m'en bats les couilles, je choisis! Ah, c'est trop dur! On va aller vite, on va aller vite. Les copains! Ah, là, bien d'accord. Un match de RC Lens en plus, je déconne. C'est vrai, on était trop contents. Le méchant dans Jumanji. Ah, ouais, je suis un Jumanji, c'est ça, vrai. Retourne le vidéo, le porte-avions. Bah, évidemment qu'il fait le porte-avions, c'est trop galère, Fortnite. On n'était pas là, surtout. Donc s'il choisit l'autre, on se vexe. Ouais, c'est vrai. Tu peux y aller, Maxime, fais attention. Mon choix est fait. J'ai choisi la vidéo sur Fortnite. Ah ouais. Enfoiré, on n'était pas là. Ouais, c'était qui a tellement mieux à cette époque. Il a raison. Ah, c'est fini la chaîne. Ah, on a déjà fait. Cette blague-là, on a déjà fait. Il a pris direct, bien sûr. Sors, t'as la clé. Bah j'oublie les 50 dernières années. Ça veut dire que j'ai aucun avenir, quoi. Enfin, je veux dire, je... Bah ce petit ton-là avec nous. Bah aussi, si. Vous voyez la petite courbe sur YouTube où il y a le moment le plus vu de la vidéo? Ouais. Tu seras pas là. Oh si. Ouais, je te trouve vachement dur. C'est vilain. Maxi. Quoi qu'il arrive, je prends celui de droite. Ah ouais. Oh. Il est joueur. Non. Ok. Non. Le plus sale dans l'histoire, c'est pourquoi je suis pas dans le choix. Parce que moi, c'est arrivé la semaine dernière. Yes. Je suis tellement content d'avoir dit ça. C'est drôle, putain, mec. Ouais. Tu t'es sauvé. Je suis mais sauvé. T'es sauvé. Ah, ah ouais, j'ai poussé de droite. T'es à droite sur les coups. Allez, let's go. Merci. Ah, oui, yes. Monsieur. Oh, let's yes. Go. Allez, tiens, ça me fait plaisir. Ah, merci, c'est gentil. Oh, je suis trop fort. Bravo pour ton augmente, Étienne. Ah, c'est moi. Est-ce que ça vous dit que j'y aille? Ah oui, alors Thomas, avec plaisir. Prends la porte. Merci, Étienne, parce que j'ai besoin d'un petit coup de fouet. Ouh. Oh, je suis déçu qu'il n'ait pas marqué le son, là. Est-ce qu'il va assumer? Moi, je choisirais pas, en tout cas. Thomas, make a choice. Alors, Indiana Jones, on fait moi le malin? Ah, il n'y a plus de joker. Hein. Après, vous avez cliqué pour ce genre de situation. Hein. 3 heures de tournage pour en arriver là. Voilà. Merci, Théo. Ah, c'est bon, j'ai. Oh, wow. J'ai choisi. Il a trouvé une galipette. Oh là là, je m'en sors, je suis trop content. Non, en fait, le truc, c'est que ma sœur, elle regarde pas les vidéos. Ah, bien joué. Donc, mon frère, Maxime Deuxheures. Ok, habile. Est-ce que ton frère est pas du genre, je connais pas, hein, j'ai pas eu cet honneur encore, mais en repas de famille, du nom, merci de m'avoir choisi par rapport à... Si, si, il va complètement faire c'est ça. C'est son genre. Il va vraiment choisir un repas de famille stratégique, genre mon mariage. Mais bon, fais pas le con, Maxime. Maxime, fais-toi plaisir. Tu es libre de droit sur cet extrait, tu en fais ce que tu veux. Et juste pour plus de cohérence, ça reste un 2 heures, hein, Maxime. Donc normalement, ça... Ah, ah oui, d'accord. Y a pas quoi. Hein. Suivant. Étienne. Ouais. Étienne, il s'appelle Étienne. À l'envers, ça fait... Enirete. Oh là 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 là. Ah, quel enfer. Bah, y'en a un qui est plus rapide, hein. Fermer le cercueil, c'est affreux. Vas-y, Étienne, sois instinctif. Ah, bref, c'est souffrance. En tout cas, y a des planches dans tous les cas. Waouh. Sympa, Étienne, décidément. Oh, l'ambiance. Waouh. Ok, j'ai choisi. J'ai choisi le cercueil. Mais non, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très très simple. Y a pas de setup gaming dedans, hein. Y a pas de simulateur, hein. Mourir noyé, c'est l'une des pires oui, morts paraît, du monde. Il paraît. Alors que mourir dans un cercueil, c'est mourir asphyxié, donc. C'est vrai, c'est très rapide. T'as même pas un mètre cube d'air. Allô? Oui. Ah, ça c'est marrant, Dracula quand il est en réu. Maxime! Ah bah voilà! En vrai, j'ai peur, parce qu'on arrive vers la fin et ça va être dur. Bah là, ça sent la dingue, hein, comme on dit chez les jeunes.
Oh la vache. Oh aïe 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 aïe. Oh, on y va. Va sortir le Joker. Allez, vas-y, champion. Pourquoi j'aime pas vos réactions là? T'es foutu! T'es foutu, Martoni! Aïe, bah oui. Je suis un peu content et un peu déçu. C'est que je m'y attendais, mais j'avais peur qu'il soit là physiquement. Ah oui. Donc je suis un peu content que ce soit des photos. Étant donné que je suis papa, j'ai vu ma femme accoucher à deux reprises. Et en fait, l'accouchement, c'est quand même vraiment un truc de malade. Hein. Ouais. Et pour ça, toutes les mamans ont un léger avantage. Beau gosse. Elle m'a mis au monde, ma maman, tu vois. Et papa, pendant ce temps-là, il a rien foutu. Il a même oublié de me donner un deuxième prénom. Le seul truc qu'il avait à faire dans la journée, c'était d'aller à la mairie pour donner, inscrire mon deuxième prénom. Il a oublié. Pour ça que je m'appelle que Maxime. Maxime. Oui. Virgule. Ben voilà. Je me suis fait engueuler le jour du baccalauréat en disant « Eh ben on n'écoute pas, mais pas ton deuxième prénom, j'en ai pas !» Mais papa, je t'aime. En tout cas, sachez que là, comme ils sont deux petites photos sur une boîte, on dirait qu'ils sont morts. Allez. Mais attention, je veux dire, j'ai eu une enfance super. Mes deux parents m'ont apporté tout autant. Mais une maman, c'est une maman, et mon papa, je l'aime. Suivant. Ah. Yvan. C'est trop... Ça, j'adore ça. Mais en plus, c'est évident parce que bon... Yvan va devoir choisir parmi un pôle important de la Redbox, à savoir la régie. La régie, ils sont chargés de toute la partie logistique sur un tournage, le matériel vidéo. Ça cadre un peu aussi. Voilà. Yann est depuis il a très longtemps, Théo un peu moins. Bon, on s'attache vite à Théo. On s'attache vite à ce petit bonhomme, cette fripouille comme on l'appelle. Ouais. En tout cas, pour Yvan, il va se trouver face à une situation dans laquelle il va pas être à l'aise. Yvan ? Oui ? Vas-y ! J'y vais ! Vous êtes heureux, mais il n'y a pas de lumière rouge. Bah faut pas les toucher. C'est hein. Parce que t'as pas besoin de les... tu n'as pas besoin de les pratiquer. Tu n'as pas besoin de les utiliser. C'est quoi? Fais-le à l'odeur peut-être. Ah, vous êtes horrible. La personne que tu préfères dans le pôle régie. Elle est par terre, en PLS. Oh, désolé, Yvan. Mais tu les aimes pas les deux, non? Tu m'as dit. C'est vrai. Allez, choisis une pirouette. Oh là là. Tu le ramènes, hein, tu le portes, hein, tu le mets dans ta besace. Il y en a un qui fait de la photo. Mais je t'adore. Je sais. Je vais pleurer, mais je le prends pas mal. Alors, t'as choisi qui? J'ai choisi la pirouette. Il y en a un avec qui je partage plus de passion. C'est pas une raison. De passion. Parce que Théo fait beaucoup de photos, et de vidéos et tout. C'est-à-dire que tu détestes Yann, du coup. Mais pourquoi, voilà, pourquoi t'es tout rouge, du coup? Ton choix est fait, t'as choisi entre des êtres humains, je trouve ça à chier. Ah, la vraie raison, on la connaît. Yann, dans le frigo de la Redbox, il écrit son prénom sur les yaourts. Bah alors ça, mais c'est hors de ma vue. Mais il en a marre de se faire chouram ces petits yaourts là aussi. Bah, là. Oui, c'est crème chocolat là. Et il vous plaît. Tout est vrai dans ce que je vais dire, tout est vrai. Suivant. Maxime. Faire un feat avec Thomas mal, Pesquet ou faire un feat avec Mr Beast. Waouh. S'il fait Beast, c'est trop gaulerie dans son univers, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est trop fort. Alors, Pesquet, c'est la boucle, Le waouh, il est plus Beast. Je suis d'accord. Maxime, c'est quand vous voulez. Tu peux y aller? Ouais. Ouais, enfin, faut pas que t'oublies que je viens de te le dire, quoi. Je peux? Ouais. Bah, t'as oublié. J'ai tellement peur que ce soit des gens à chaque fois. Oh, c'est drôle. Alors, Maxime? Oh là là, elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Après, c'est moins nouveau, Pesquet. Des gens l'ont fait avant toi. C'est vrai. Alors que Beast? Ah, c'est fort, hein. Moi, je trouve ça évident. Ok. J'ai choisi Diablo et Snap. Je me rappelle plus de son prénom. Benoît. Non, Benoît Beast. Benoît Beast. Qu'est-ce qu'il a choisi? Nous, on pense Beast. On trouve que c'est plus événementiel par rapport à l'histoire de YouTube France. Je suis fait Mister. Ah, mais moi, je rêve de voir ça. Parce que c'est plus improbable. C'est la boucle est bouclée, c'est rigolo. J'ai tellement été associé à ce type, je sais pas pourquoi. C'est fou, hein. Moi non plus. Thomas Pesquet est un peu plus probable, voire déjà fait. Voire selfie qui s'affiche à l'écran. Thomas, si tu nous regardes, avec plaisir quand même. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. C'était sans choix, challenge impossible, dilemme, oh là là, on sait pas quoi choisir. Cette vidéo était sponsorisée par NordVPN. Sachez qu'il y a une promotion exclusive incommensurable avec laquelle vous n'avez même pas besoin de faire de choix puisqu'elle est absolument incroyable. Elle est dans le premier lien, dans la description. Abonnez-vous à NordVPN. Et à bientôt. À bientôt. Quelle belle ambiance. Ah oui, alors. Au revoir à la jeunesse française. Au revoir à la jeunesse. Et suisse et belge et canadienne. Je peux changer mon chapeau?